dans tous les lieux d'innovation, vous avez une majorité d'hommes et personne ne s'interroge sur ce fait. Nous, en sélectionnant des startups qui sont cofondées par une femme, on a 50% d'hommes finalement dans l'incubateur, donc une mixité qui est assez naturelle. Elle représente exactement ce qu'elle devrait représenter dans le reste de l'humanité.